avoir ça en plein cœur de Paris, avoir des cours, faire venir les stars ou des idoles, hein, des mecs que je voyais avant sur mes cassettes Hudson. Enfin, ces mecs-là passent ici dans une petite pièce où tu te retrouves à 15, 20 chanceux à pouvoir les écouter les yeux grands ouverts et boire leurs paroles. C'est génial. Donc, Zadims, les gars m'ont contacté il y a à peu près 2 ans. Et ouais, chacun a mis sa patte dedans. Les membres d'un groupe vont influencer, quoi qu'il arrive, la personnalité du bassiste, du batteur, du guitariste. Ça va influencer le rendu final. Donc, t'as quelque chose de brut qui va passer dans cette machine. On a passé quelques jours à Chicago, chez un monsieur qui s'appelle Steve Albini, qui a enregistré énormément de monde, les Foo Fighters, Nirvana, Iggy Pop. Ce qui est intéressant avec Albini, c'est qu'on enregistre sur bande. Tout est analogique, t'enregistres live. Donc on enregistre à Chicago, masterisé à Londres, à Abbey Road. Le son est mortel. On veut faire ça sur vinyle, ça prend un peu de temps. Donc là, c'est parti au pressage. Avoir un kit de cymbales assez réduit. Ça, c'est un set que j'utilise un peu partout. On a une tonalité assez médium sur la HHX Extreme Crash. Tu peux la jouer en ride, la cloche ressort super bien. Quand tu joues avec les deux cloches, ça m'inspire. On a un charlet très, très précis, limite électro sur le click-hat. Et la ride, ça c'est magnifique. Artisan Light en 22. Il y a une souplesse de jeu, un rebond qui est super intéressant. L'artisan Light que j'ai, plus les années vont passer, plus le son va changer, plus je vais la marteler en fait. Je vais continuer le boulot. Et ce stack que je peux pas seulement l'utiliser comme une cymbale, mais comme une deuxième caisse claire ou... Voilà, ça m'évite d'avoir un kit énorme. Sur le dessus, j'ai le hoop crasher en 14. C'est la signature Jojo Mayer, qui normalement se joue sur une caisse claire pour les plans un peu jingle, c'est mortel. Le haut du C4 en 18, qui est normalement un charlet. Et ensuite, on a la Zen China en 20. En fait, j'aime bien essayer de reproduire les sons de batterie électronique. Et ce son, ça me fait penser à des caisses claires super crade. Et le hoop crasher, en fait, vient se décoller et se reposer. Ça fait office de timbre, en fait.